Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. De nouveau, je vais vous parler un tout petit peu de l'application WeWard que j'avais téléchargée dans mon téléphone et dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo il y a 2 semaines. C'était juste pour vous faire un point, un petit point sur l'évolution que j'avais pu en faire 2 semaines après la première vidéo. Donc comme je vous avais expliqué, c'est une application qui vous permet de gagner des wards tous les jours en marchant, tout simplement. Ensuite, vous validez vos pas et avec ces wards, vous pouvez les gagner en marchant, vous pouvez les gagner en visionnant des publicités, en jouant à des jeux, vous pouvez gagner aussi en... Vos wards, alors, qu'est-ce qu'il y a donc? Regardez une vidéo, vous gagnez des wards aussi en effectuant des achats. Dans certaines enseignes. Vous avez aussi des sondages, vous avez aussi les jeux vidéo que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Voilà, mais l'application de base, c'est quand même de marcher. Au maximum par jour, on peut faire 25 wards. En sachant que un ward, alors on va aller dans les cadeaux. Alors, vous pouvez avoir des bons d'achat. Une fois que vous avez accumulé un certain nombre de wards, vous avez des bons d'achat dans certaines enseignes, vous avez aussi la possibilité de récupérer des virements sur votre compte bancaire. Et donc, à partir de 3000 wards, vous pouvez récupérer 20 euros. Alors moi, je voulais juste vous faire un petit point, parce que vous avez des missions tout au long du jeu. Donc ces missions, vous avez des challenges. Alors, des challenges mensuels qui reviennent, là 60 wards pour 5000 pas à valider 20 jours de suite. Et en validant tous ces challenges, vous récupérez en plus des wards en plus. Donc vous avez un premier niveau, un deuxième niveau, et ainsi de suite. Si j'arrive pas à l'ouvrir, ça me prendrait bloqué, dommage. Ah, voilà. Et donc par exemple là, niveau 4, il faut valider 15 pas en un jour, vous avez 10 wards, et ainsi de suite. Et en fait, vous progressez comme ça, ça c'est le niveau 2, pardon, et vous progressez comme ça dans le jeu, dans les niveaux, en cumulant des wards. Et c'est ce que je voulais vous montrer, donc. Après 3 semaines de test de cette application, et ben voilà, je voulais vous montrer que ce n'était pas une blague. J'en suis à 1240 wards, tout simplement. 1240 wards, en sachant, donc eux, ils me donnent une somme fictive de 8,68 €, en sachant qu'à partir de 3000 wards, je peux transférer, je peux demander un virement de 20 euros sur mon compte. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit point, les amis. J'ai déjà récupéré de l'argent dans l'autre application dont je vous ai parlé, Winwalk. Celle-là, c'est pas encore, mais dès que j'aurai la possibilité, je vous tiendrai au courant de la véracité de récupérer les fonds. Et puis, ben voilà, vous pouvez voir que, par exemple, j'ai débloqué des paliers, j'ai gagné des wards avec des bonus vidéo, des bonus journaliers. En attente, ce sera les wards qui seront à gagner quand vous faites des achats. Alors, quand vous faites un achat, je ne sais pas si on va le voir. Il faudrait que je revienne à la page d'accueil. Quand vous faites un achat ici, par exemple Nike, en fait, il faut aller d'abord sur le WeWard et ensuite récupérer un lien de parrainage. Et une fois que vous aurez fait votre achat, vous le faites à partir du lien que vous aurez récupéré. Et ensuite, vous faites la demande à WeWard et il faut qu'il valide ça. Mais si vous achetez, imaginons, 100 euros de chaussures Nike, grâce à cette application, vous gagnerez 7 wards par euro dépensé, et vous aurez 700 wards, en sachant qu'à 3000 wards, vous avez un virement de 20 euros. Donc c'est comme si vous aviez quasiment 5 euros de réduction sur vos 100 euros d'achat. Donc ça vaut quand même le coup de regarder plus en avant l'application autrement que le fait de marcher et de valider des pas pour gagner de l'argent. Voilà. Donc les amis, je voulais vous en reparler de cette application et je pense que je referai une vidéo bientôt dès que j'aurai la possibilité de récupérer de l'argent. Comme ça vous permettra de vous fixer ou non sur cette application. Et puis comme je vous l'ai dit, c'est totalement gratuit. Vous la téléchargez, vous marchez, et puis tous les jours, vous validez. Et puis vous verrez, vous aurez une heureuse surprise au bout de quelques mois. Alors moi, j'ai joué beaucoup, j'ai fait des missions. J'y ai pris un peu plus de temps, mais si vous n'êtes pas obligé de faire ça, à ce rythme-là, moi, je pense que je peux atteindre les 3000 wards très facilement, en 1 mois et demi, 2 mois. Mais le but, c'est pas non plus de faire toutes les missions, sauf si vous aimez jouer. Et encore, moi, j'ai pas fait les sondages et j'ai pas fait les jeux, hein. Donc, je pense que on peut même gagner assez vite.
Voilà, donc écoutez les amis, vous voyez, aujourd'hui je suis à 15 572 pas effectués. Et je pense que je vais arriver aux 20 000 et ça me fera à nouveau 10 wards parce que de 15 000 à 20 000, les 5 000 supplémentaires, ça passe de 15 wards à 25 wards de gain. Voilà. Donc les amis, je voulais vous en reparler de cette application qui est quand même plutôt intéressante et sympathique. Et puis je reviendrai vous faire une vidéo un peu plus tard, toujours sur cette application, plus en avant là-dessus. Voilà. Et ben je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.